pêcheur au cou. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc, deux petits accessoires vraiment très pratiques hein, et qui peut sauver donc, les éléments de votre canne, hein, bien sûr. Donc le premier petit accessoire, donc, ce sera le bouchon en mousse de protection hein, réglable. Et le deuxième petit accessoire, ça sera donc un cône avec une échelle hein, donc, pour les porte-sions, pour monter un élastique à l'intérieur. Donc voilà, on va passer en plan serré. Allez, c'est parti les amis. Donc voilà les amis, donc, pour le premier petit accessoire hein, qui est vraiment très utile et surtout très très pratique, qui peut sauver donc, les talons de vos cannes, hein, donc, c'est-à-dire le bouchon en mousse de protection réglable. Donc je vais le détailler. Hein. Donc hop, je le dévisse. Talalala, hop. Donc vous avez premièrement la partie en mousse, hein, donc qui sert de protection. Quand vous tapez, par exemple, dans un mur ou dans un talus, ça évite d'abîmer le carbone de votre talon. Donc il y a un pas de vis, hein, comme vous voyez, avec l'embout qui ressort là, hein, il sert de protection également. Une deuxième partie avec une grosse bande de silicone sur la partie centrale, hein, donc qui s'écarte et qui se rétracte suivant quand vous serrez ou dévissez. Donc voilà, je vais vous faire la démonstration. Voilà, comme ceci. Hein. Plus vous serrez et plus la bande de caoutchouc. Oui, pardon, c'est du caoutchouc, hein, pas de silicone. C'est plus résistant. Voilà. Donc plus vous serrez, plus la bande de caoutchouc va s'ouvrir. Hein. Donc en fonction de l'intérieur de votre emmanchement. Voilà. Hein. Et quand vous desserrez, bien évidemment, hein, il se passe l'effet inverse. La bande de caoutchouc se rétracte. Donc évidemment cette embase peut démarrer à partir donc de l'élément numéro 5 hein, donc au plus petit ça donne ça, donc élément numéro 5. Donc si vous avez des kits 4, il existe différents modèles hein, de talons, mais je vous conseille plutôt de prendre un mini protect ou une petite protection en carbone hein, que tous les fabricants font maintenant. Donc voilà, c'est un petit manchon en carbone hein, pour protéger les éléments de votre kit. Mais ça existe aussi pour la canne, hein, mais moi j'aime bien ça, ça coûte beaucoup moins cher et c'est hyper léger. Donc voilà les amis, je précise bien que cette petite protection vous pouvez l'utiliser avec toute marque de canne hein. Donc, comme c'est ajustable hein, bien sûr c'est utilisable sur tous les éléments à partir du numéro 5. Donc voilà pour la petite protection pas chère en mousse et hyper pratique, ça vous évite d'acheter toutes les mini rallonges pour les emmanchements de votre canne. Voilà, donc maintenant on va passer donc à l'embase, donc en base cône échelle hein, bien sûr, vraiment très très pratique. Donc il existe plusieurs sortes d'échelles hein, mais moi je vous conseille toujours un cône qui enveloppera l'intérieur de votre canne, parce que si je vais prendre ça par exemple là, si vous avez une échelle donc, qui est rectangulaire hein, bien sûr elle n'épousera pas toute la forme intérieure conique de votre kit, ça reposera uniquement sur deux parties. Voilà, et avec des fortes tractions ça risque d'éclater le carbone de votre canne, tandis que avec le cône ça enveloppe bien l'intérieur de votre kit
et aucun risque. Donc ça, c'est le premier truc pour les cônes. Ensuite, donc, comme vous voyez, hein, celui-là est démontable. Hein. C'est très pratique. Et deuxièmement, avec les nouveaux systèmes de cônes, voilà, attendez, hop, voilà. Donc comme vous pouvez voir dans le fond, il y a un petit trou. Ce n'est pas par hasard. Hein. C'est tout simplement pour venir retirer le cône de votre kit quand il est à l'intérieur. Et ça évite maintenant de mettre soit un bout de nylon, un bout de tresse ou un bout de fluoro. Donc ça évite tout ça. Donc vous avez... Ces petits cônes sont rendus avec des clés, hein, bien sûr. Voilà. Donc, avec un embout comme ceci. Donc, s'il est enfoncé vraiment trop profond, hop, vous passez votre clé, voilà, à l'intérieur. Et vous venez rechercher votre cône sans souci. Voilà, je vais vous faire la démonstration. Voilà. Donc, vous enfoncez votre cône comme ceci. Bon, je vais prendre un autre morceau, j'avais prévu. Voilà. Un peu plus large, hein. Donc il s'enfonce. Voilà. Comme ça, vous voyez bien à l'intérieur qu'il épouse. Pardon. Il épouse bien la totalité du carbone. Voilà. Contrairement à une échelle classique. Hop. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc, ça donne ça à l'intérieur. Et avec votre clé, vous venez chercher votre en base comme ceci, vous venez retirer dedans et ça vient tout seul. Voilà, plus besoin de mettre un bout de nylon et ou un bout de ficelle ou de n'importe quoi comme on faisait avant. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose, comme les porte-sions sont de différents diamètres, ou vous pouvez bien sûr changer, soit mettre sur l'élément numéro 2, 3, 4 et 5. Hein, il existe plusieurs tailles de cônes, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai pour les porte-sions que je mets l'élastique uniquement sous le porte-sions. Voilà, après, c'est un avis personnel. Hein, chacun fait comme il veut, bien sûr. Donc, comme vous pouvez voir, comme chaque type de porte-sions a un diamètre différent, c'est pour ça qu'il vous faut recouper votre cône. Et c'est prévu. C'est prévu exactement. Et c'est tout simple. Donc je vais vous faire la démonstration. Hein. C'est pour ça qu'on a des petites stries. Donc moi je sais. Comme il rentre pratiquement entièrement dedans, il dépasse un petit peu. Donc il va falloir que je découpe à peu près dans le milieu. Ici. Parce qu'il ne faut pas qu'il se bloque. Il ne faut pas qu'il se bloque ici. Hein, car vous seriez embêté avec. Je ne sais pas si ça rentre dedans. Non, ça rentre pas dedans. Vous seriez embêté avec votre élément mâle. Ça bloquerait dedans. Bien sûr. Hein. Donc il faut qu'il remonte. Moi, je laisse à peu près, on va dire, une bonne quinzaine de centimètres. Comme ça, je suis tranquille. Votre élément mâle arrive à peu près ici. Hein. Ça me laisse une marge, et c'est très bien. Donc je vais vous faire la démonstration. Tout simplement, vous prenez un couteau. Donc vous coupez à peu près, hein, comme je disais. Hop, comme ceci. Donc dans le milieu. Hein, voilà. Ici, c'est parfait. Donc c'est du plastique. Ça se coupe très bien au couteau. Hein, mais vous pouvez prendre un cutter ou... Tous les outils qui coupent, c'est parfait. Hop, voilà. Et vous venez rejoindre
ici. Voilà. Hop. Bon, moi j'ai rien pris, hein, mais vous prenez, vous grattez avec du papier de verre assez fin pour ébavurer et c'est parfait. Donc ensuite, bien sûr, vous rentrez. Vous voyez qu'il y a, que maintenant ça rentre bien. Hein. Il y a une marge, c'est impeccable. Voilà, comme ceci. Donc vous le rentrez dedans. Vous repoussez avec votre. Moi j'ai une astuce. Hein. Voilà. Donc je prends la longueur de la clé. Comme ça je sais à quel niveau exactement se trouve mon cône. Donc voilà. Il y a à peu près 15 cm. C'est parfait. Comme ça, l'élément de votre canne, comme je dis, rentre à peu près jusqu'ici. Ici ou là, ça dépend des cannes. Hein. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous avez une bonne marge. Hop, ensuite, vous venez rechercher sans difficulté, donc, avec la clé, votre cône et votre échelle. Voilà, donc comme je disais, hein, avant il existait des échelles simples, hein, voilà, qui venaient uniquement toucher sur le haut et le bas, hein, sur deux parties. Et souvent, même très très souvent, j'ai vu des pêcheurs qui se plaignaient comme quoi leur élément éclatait sur des fortes tractions. Et on était obligé de mettre une ficelle ou un truc comme ceci. Ça, poubelle maintenant. Et bien sûr, il existe chez tous les marques de fabricants de pêche. Hein. Ils font tous comme ça maintenant. C'est très pratique. Et il existe une multitude de clés. Donc voilà, hein, chez Drenan, chez Browning, chez Sensas, etc. Tous les fabricants en font. Mais j'aime bien parce que la clé de chez Sensas, je sais pas si vous allez voir, est plus grande. Hop, je vais me reculer, je vais me mettre là. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc la clé de chez Sensas est plus grande. Ce qui me permet que si par erreur mon cône vient s'enfoncer un peu plus loin, de pouvoir largement aller venir chercher mon échelle, enfin mon cône. Donc voilà les amis. Pour ces deux petits accessoires vraiment très 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 pratiques. Hein. Donc voilà les amis. J'espère que ce petit tutoriel vous aidera dans vos futures pêches. Hein. Donc comme vous avez pu voir, hein, ce sont deux petits accessoires vraiment très simples à utiliser. Hein, vraiment très pratiques. Et qui protégera bien vos éléments de canne. Donc sur ce, je vous dis donc à la prochaine vidéo ou au prochain live. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, hein, ça aidera à la survie de ma chaîne et surtout à avancer, hein, et à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, hein, et surtout à vous abonner, ça me fera vraiment très très plaisir. Donc voilà les amis, donc c'était le pêcheur au cou, hein, et je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain live. Allez, bye bye.